Le cinéma d'Isidore Isou était vraiment finalement une synthèse de tout, de sa pensée, et qu'il y avait, en particulier bien sûr dans le traité de Bave et d'Éternité, concentré tout son manifeste et toute sa créativité. Donc on a pris cette option de présenter un ensemble, on va dire, des films qu'il a pu construire et imaginer. On a construit sur l'idée de Roland Sabatier, qui est le commissaire, un complexe, on va dire, cinématographique quasiment. C'est-à-dire cette idée qu'il y a 7 salles de cinéma dans lesquelles on peut entrer, regarder les films ou faire les films. Et le dispositif, comme vous voyez, occupe tout le pavillon. Amos, où là on est cette fois-ci sous un film sous forme de livre, avec la reproduction d'une vingtaine de pages d'un ouvrage. Donc d'un côté le texte, de l'autre des photographies rehaussées à la gouache avec différents signes qui font partie de l'hypergraphie ou de la métagraphie lettriste. Donc on est encore dans cette idée aussi de discrépance que l'on retrouve dans différents films lettristes, au sens où ce qu'ils ont appelé la bande-son ou la bande-image du film ne sont pas forcément reliées. Donc dissociation du son et de l'image. Et ici, sur ce qui est exposé, finalement, c'est le texte qui fait office de bande-son. Donc là, c'est la salle de l'Auberge espagnole ou film provocation, qui fait partie des films super temporels, comme Alain expliquait tout à l'heure, que là, on peut activer de différentes manières, soit en ma présence ou les gens de manière autonome, avec les objets à disposition. Donc on peut voir par terre qui sont des polochons, des accessoires de fête, hein, des serpentins, des confettis, des ballons, des mirlitons, des bouquets de fleurs et des oreillers, des coussins, qui sont les choses qui sont décrites par Isou dans le texte du film Provocation. Et un jour, tout individu, innocent ou coupable, anticommuniste ou communiste, qui ne s'attend pas à mourir d'une mort violente, fusillé ou en prison, est un imbécile. Personne n'est plus maître de son destin aujourd'hui. Pensez au marquis de Sade et à ses rats. Ça combien, ça dure combien? 2 heures. Avoir des souvenirs collés, des amours encerclés de ces notes. Nos grands-mères aiment la valse, nos mères le tango et nous le jazz. Parce que respectivement, nos plus beaux moments ont été accompagnés de ces rythmes. En réalité, ce n'est pas cette musique que nous aimons, mais les souvenirs qu'ils réveillent. Pour que le grand public aime le lettrisme, il faudrait que cette puissance se propage, qu'elle imbibe chacun de nos pas. Mais toute chose nouvelle manque en fin de compte, parce qu'une jeunesse nouvelle
a toujours besoin de matière fraîche. C'est exprimé dans le texte, le son donc, qui, comme il est indiqué ici, expose la chronologie de témoignages visuels concernant Izou et l'ensemble de ses créations. Avec l'accord, l'approbation d'Isidore Izou. De l'anti-anti-action des spectateurs. Aidez-moi plutôt à résoudre les problèmes de lavage de chaussettes, de ménage, de médecine. Évoluons en commun vers une société paradisiaque. Faisons de l'anti-anti-supertemporel dans les territoires de la science et de la technique où ma personne se trouve en arrière dans un état inférieur et ridicule. Je refuse d'annuler une séance de spectateurs. Voilà, ici. Je suis contente de me trouver à la Fondation des Doutes et une programmation très riche sur le cinéma Le Triste Isidore Izou. Voilà un témoignage que moi aussi je voudrais te donner pour plus de 10 ans que j'ai travaillé à vos côtés. C'était très bien passé, trop gentil, j'ai trop appris de vous.